Professeur honoraire depuis 1982 au Collège de France, vous avez été élu à la chaire d'anthropologie sociale en 1959. Vous vous souvenez du thème de votre leçon inaugurale? Oui, naturellement. Enfin, la leçon inaugurale, c'est un tellement grand moment que ça reste gravé dans la mémoire. Mais enfin, il n'y avait pas un thème exactement. Le thème, c'était d'expliquer et de justifier le nom d'anthropologie sociale que j'avais proposé pour la chaire en rattachant mon travail à tous ceux qui l'avaient inspiré. Enfin, d'une part, la tradition sociologique française de Durkheim et de Mauss, en soulignant que Mauss avait été, pas directement, mais par intermédiaire, mon prédécesseur dans sa chaire au collège, bien que sa chaire s'appelât sociologie, et d'autre part, la tradition anglo-saxonne de laquelle je me sentais également débiteur, puisque toute ma pensée, et en tout cas mon premier livre, Les structures élémentaires de la parenté, fut écrit aux États-Unis. Et comment est-ce que vous jugez cette leçon et cette première approche de ce qu'était l'anthropologie sociale à la lumière de vos réflexions ultérieures? Quand vous y repensez, c'était naïf pour vous? Vous pensiez que vous avez déjà posé les premiers jalons? Je ne voudrais pas être présomptueux, mais il me semble que j'avais posé les premiers jalons depuis longtemps, puisque, comme vous le rappeliez, j'ai été élu en 59, et que mon premier gros ouvrage, dont j'ai cité le titre il y a un instant, apparut en 1948, et qu'il y en avait eu d'autres dans l'intervalle. Pour vous. J'avais donc 10 bonnes années de spéculation théorique derrière moi, plus le travail sur le terrain au Brésil pendant les 10 années précédentes. Donc, de cette leçon inaugurale à aujourd'hui, il y a une continuité. Il n'y a pas eu de rupture dans votre approche théorique, jamais. Je crois pas. J'avais énoncé un programme et au cours des 20 et quelques années que j'ai passées au collège, j'ai essayé de le remplir. En général, les candidats sont cooptés. Comment ça s'est passé pour vous? Comment s'est passée l'élection? Vous savez, c'est une assez vieille histoire. J'avais été entraîné en 1949-50 dans une première candidature au collège qui a été malheureuse. Bon, je ne reviendrai pas sur les détails parce que les moments désagréables, il faut mieux les oublier. Mais à ce moment-là, j'étais absolument convaincu que je n'irais jamais au collège et que je devais m'orienter dans une autre direction. Et c'est d'ailleurs en partie cet échec, ce premier échec, qui a été responsable de mon livre Triste Tropique, paru en 1955, mais dans lequel j'avais l'impression que je disais adieu à la haute université, à la haute université. Et puis, il se trouve que c'est Maurice Merleau-Ponty qui a été élu, lui, très peu de temps après ma première défaite, qui s'est mis en tête de me faire tout de même élire au collège. Et il y a travaillé pendant plusieurs années avec une générosité, une assiduité, enfin, qui me comble de reconnaissance rétrospective, d'autant plus qu'il n'allait pas vivre très longtemps après, puisqu'il est mort en 1962. Donc un homme providentiel, mais vous avez eu d'autres dans votre vie. Votre rencontre à New York avec le linguiste Roman Jakobson a, semble-t-il, été déterminante, non? Tout à fait, mais dans une autre direction, parce que enfin, je m'attachais à une forme de pensée de façon très naïve, sans savoir
qu'elle avait été mise en forme dans une discipline assez éloignée de la mienne et dans des pays très éloignés du mien, je veux dire en Russie et en Tchécoslovaquie, à ce moment-là. Et c'est par la rencontre avec Roman Jakobson que j'ai appris que ce à quoi je rêvais de façon très confuse s'appelait le structuralisme et avait déjà ses lettres de noblesse en linguistique. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes devenu pour les masses, pour le public, le père du structuralisme. Et... Oui, ce que je ne suis certainement pas, parce que derrière Jakobson et son associé d'alors Trouetskoy, il y avait Raymond de Saussure, le grand linguiste de Genève, et derrière Saussure, il y avait toute une tradition allemande qui passe par Wilhelm von Humboldt, par Goethe, et qui va trouver ses racines à la Renaissance, notamment dans l'œuvre écrite de Dürer. Donc là, on est en 1948 à peu près, non, 47. Vous l'avez rencontré à quelle année exactement? Ah non, je l'ai rencontré aux États-Unis quand j'avais fui là-bas après l'armistice. Je l'ai rencontré en fin 41. Ah, dès fin 41. À New York. Vous avez monté une école là-bas. Alors, tous les universitaires réfugiés français s'étaient groupés autour de Faucillon, Maritain, Jean Perrin et quelques autres pour créer ce que nous appelions une université française en exil et qui a vécu pendant toutes les années de la guerre sous le nom d'École libre des hautes études de New York. Mais alors, lorsque vous rentrez en France en 1947, vous rentrez en France. Non, je suis rentré en France pour la première fois fin 1944. J'étais à ce moment-là secrétaire général de l'École libre dont nous parlions il y a un instant, et j'ai été rappelé en France tout de suite après la libération de Paris par la Direction générale des relations culturelles pour essayer de savoir ce qui se passait justement dans cette école et quel sort pouvait lui être réservé au lendemain de la guerre. Je suis donc entré en France, mais c'était encore en pleine guerre, dans un convoi militaire américain qui m'a amené à Londres, puis de Londres. J'ai passé à Paris et j'y suis resté jusqu'au printemps 45, où l'on m'a renvoyé à New York, mais cette fois comme conseiller culturel de l'ambassade. Alors là, vous commencez à préparer votre thèse, où elle était déjà en gestation, j'imagine. Ma thèse était, j'ai commencé en 43 à New York et je l'ai terminée pendant que j'étais conseiller culturel en 47. Et grâce à la générosité de la Direction générale des relations culturelles, je pouvais exercer mes fonctions diplomatiques à mi-temps et l'après-midi j'étais conseiller culturel, mais le matin je terminais ma thèse. Et alors, vous avez choisi les structures élémentaires de la parenté. Et là, on est loin du verbe, de la langue, on est déjà dans autre chose. Comment est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre, entre cette première approche avec Jakobson? Non, mais il ne s'agissait pas du tout de transposer la linguistique en anthropologie. Il s'agissait de s'inspirer de quelques principes fondamentaux de la méthode linguistique et de chercher si ces principes pouvaient être également appliqué dans un domaine très différent, celui de l'anthropologie. Mais il y a quelques années, vous déclariez à Bernard Rapp que vous auriez aimé devenir grand reporter plutôt que scientifique. Après Triste Tropique, qui a eu un succès d'estime, je m'étais dit, et qui était après tout la façon dont
j'avais vécu et je racontais mes voyages, que ce soit en Amérique du Sud ou que ce soit en Orient, eh bien, j'étais tout prêt à faire du grand reportage. C'est un mythe, le grand reporter. Vous étiez victime du mythe, en fait. Bien, je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'étais convaincu que je ne ferais plus une carrière universitaire. Et donc, il fallait que je regarde dans d'autres directions. Je ne savais pas très bien lesquelles. Mais vous étiez conscient du fait qu'il y avait une imposture quelque part derrière le terme grand reporter, tout ce qui circulait à cette époque, parce qu'aujourd'hui on est en pleine crise sur ce sujet. Vous aviez déjà conscience, vous en tant qu'ethnologue, scientifique, de l'imposture qu'il y avait parfois dans les images qui étaient présentées des peuples dits du Sud, par exemple ? Oui, enfin, je pouvais espérer justement ne pas tomber dans ces excès. Comme Jean Rouche ? J'ai beaucoup d'amitié pour Jean Rouche. C'est ça, vous pensiez à Jean Rouche, vous pensiez à un travail en profondeur, c'est ça que vous auriez aimé faire. Alors l'image, justement, venons à l'image. Dans ce cas-là, ça aurait été l'image, votre point directeur, et ça aurait été complètement différent. On a l'impression que l'image qui est rapportée dans vos expéditions, l'image ne joue pas un rôle fondamental. Ce n'est pas autour de l'icône que toute votre théorie se construit, mais autour du langage, au contraire. Non, je ne dirais pas, exactement ça, parce que je ne suis pas un fanatique de photographie, mais j'aime les objets, et je m'intéresse aux objets. Et j'ai passé même quelques années au Musée de l'Homme. Donc l'objet, oui. Donc, les réalités concrètes, enfin, ce qu'on appelle dans notre jargon, les réalia, ça compte beaucoup pour moi. Vous jouez aux échecs avec les mythes, ce que vous déclarez. Oui, c'est une façon de parler, parce que je suis nul aux échecs. Mais vous jouez quand même une partie de go ou d'échecs avec eux, vous les définissez comme un adversaire mobile, capable de multiples métamorphoses. Vous êtes-vous quelquefois amusé à mettre au jour les mythes personnels ou collectifs qui vous animent, vous ? Non. Jamais ? Non, jamais. Jamais. D'abord, ce serait abuser du mot mythe et lui donner une acception vulgaire qui n'est pas du tout l'acception technique de l'anthropologie. On y reviendra. Pierre Bourdieu, qui était avec vous au collège, se méfiait de l'anthropologie structurale qu'il qualifiait de scolastique et descriptive, ce qui est quand même très dur. Oui. C'est une opinion aux antipodes de votre approche dynamique. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette vision de l'anthropologie structurale aussi tranchée de la part d'un sociologue ? Vous savez, Bourdieu, au début de sa carrière, a fait de la très brillante anthropologie en Kabylie, en général, et dans un esprit tout à fait structuraliste. Et c'est plus tard qu'il a changé ses fusils d'épaule et qu'il a adopté des positions en apparence spéculatives, disons, mais dont les motivations profondes étaient tout autres. N'est-ce pas ? Au fond, ce sont les problèmes de la société contemporaine qui l'ont de plus en plus absorbé et par rapport auquel il a jugé des positions philosophiques comme plus ou moins propres à servir l'action à laquelle il se consacrait essentiellement. Vous voulez dire en gros que de chercheur, il est devenu militant ? Il n'a jamais vraiment cessé d'être chercheur, ce serait lui faire injure. Mais enfin, disons que pour lui, le chercheur et le militant étaient devenus indissociables. Quels étaient vos rapports personnels avec lui ? Vous le croisiez ? Avec qui ? Avec Bourdieu ? Pierre, oui, Pierre Bourdieu. Excellent. Nous avons été toujours en rapport très cordiaux, très amicaux même. Et d'une manière générale ? Nous nous voyions peu, mais enfin, chaque fois que nous nous rencontrions, c'était très cordial. Et d'une manière générale, au niveau du collège, c'est intéressant, les échanges d'informations scientifiques, ça fonctionne, cette dynamique, ou c'est un mythe aussi, un mythe dans le sens large du terme, le fait que les chercheurs du collège puissent communiquer toute discipline
confondu facilement, que c'est un lieu de liberté et d'expression. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, vous ? Oui, mon collège, c'était un collège qui n'existe plus, même en parlant bâtiment. Le vieux collège, celui auquel l'administrateur actuel a substitué un collège tout neuf, était très encombré. Et il y avait peu d'occasions et même, je dirais, de lieux pour les professeurs de se rencontrer. Ils pouvaient naturellement se rendre visite d'un bureau à l'autre, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc vous étiez un peu isolé, chacun dans vos recherches, vos collèges à l'époque, en fait, un peu. Je l'étais d'autant plus que j'ai été très vite à la tête d'un laboratoire d'une certaine importance, qui était un tout petit monde, mais enfin, un monde à l'intérieur duquel je vivais enfermé. Vous avez été témoin des avancées récentes des sciences cognitives. Ont-elles étayé votre réflexion sur le relativisme culturel, sur le fonctionnement de la personnalité, y compris chez les populations primitives? Vous parlez des sciences cognitives au sens le plus large, hein, neurophysiologie, psychologie expérimentale, etc. Est-ce que vous êtes intéressé par justement votre appartenance au collège, aux travaux qui sont effectués par vos collègues dans ce domaine? La manière d'apprendre la langue, la manière dont le fonctionnement cérébral s'opère sur la réception de messages, tout ce qui travaille, tout ce qui se fait en sciences cognitives depuis 25 ans. Vous savez, ce sont des disciplines, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des sciences cognitives, plus ou moins, qui sont brillamment représentées au collège aujourd'hui, mais qui n'existaient pas du tout de mon temps. Alors justement, depuis ces 10 dernières années, vous vous tenez au courant, etc. Est-ce que certaines approches de ce type de sciences dures, entre guillemets, ont pu éclairer vos approches peut-être plus intuitives ou plus empiriques sur le terrain ? Non, je ne crois pas que je peux dire ça. Ce que je peux dire, c'est que ce type d'approche vienne prendre place dans une utopie qui a toujours été celle des sciences dites humaines, c'est-à-dire de devenir aussi dures que leurs collègues des sciences physiques et naturelles. Mais ça m'apparaît plus comme, disons, un principe régulateur, un but très lointain vers lequel nous tendons, que des travaux dont nous pouvons, comme ethnologue, attendre des résultats immédiats. Des exemples, par exemple, quand on découvre que les orientaux, en particulier les japonais, n'ont pas les mêmes activités cérébrales, que les hémisphères ne travaillent pas de la même manière, que les modules qui sont animés lors d'une situation oui, sont pas les mêmes. Tout ça, c'est intéressant, non ? Je connais tout ça. Et au Japon, je suis beaucoup allé. Naturellement, j'ai particulièrement prêté attention. Tout ça me semble des plus intéressants, doit être suivi avec presque une attention passionnée, mais nous n'en sommes pas encore au moment où nous pouvons tirer des conclusions. Une parenthèse, vous êtes-vous intéressé aux travaux de Victor Segalen, le grand voyageur ? À ses livres, oui, bien sûr, c'était un grand écrivain. Les Immémoriaux en particulier. Mais oui, c'est très beau livre. Alors justement, ce qui est intéressant dans ce type de démarche, c'est qu'on a véritablement l'impression qu'on peut faire revivre le mythe sous forme romancée, mais lui redonner toute sa signification par rapport au vécu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, quelquefois, faire comprendre l'anthropologie, c'est plus peut-être passer par la fiction que par la descriptive ? Est-ce que Victor Segalen, quelque part, pour mieux faire comprendre, ou Triste Tropique, qui est une autre approche, mais assez subjective, où vous mettez en scène, ne sont pas plus efficaces que le texte scientifique pur ? Enfin, je ne sais pas très bien ce que c'est que le texte scientifique pur dans un domaine comme le mien. Je ne crois pas qu'en matière de sciences humaines, il n'y ait jamais des textes scientifiques purs. Enfin, Segalen, pour moi, c'est un grand poète, un grand écrivain. Mais pas un grand anthropologue. Je ne lui demande pas autre chose. Ouais. Si, de temps en temps, il y a des observations saisissantes. Et enfin, Chateaubriand aussi a fait des observations saisissantes. Ce n'est pas un ethnologue pour autant. Pour vous, l'ethnologue donc, doit demeurer
dans sa position de scientifique. Mais non, il ne doit pas. Chacun fait ce qu'il croit devoir faire, et il y a place pour beaucoup de monde à la droite du Seigneur. Les mythes constituent les fondements des, les fondements des psychanalyses, hein. C'est assez reconnu, en particulier jungienne et freudienne. Aujourd'hui, vous intéressez-vous encore à ces disciplines ? Elle a été très importante pour ma formation intellectuelle, parce que c'est en partie en lisant Freud, que j'ai lu très tôt, d'ailleurs j'étais encore au lycée, que, je dirais, j'ai acquis ou que j'ai été conforté dans ce besoin que je ressentais derrière tout ce qui est absurde ou irrationnel, de trouver du rationnel. Mais, disons, le côté thérapeutique de la psychanalyse, ça m'a toujours rebuté, je m'en suis toujours tenu éloigné. Disons, j'ai reçu de Freud une leçon philosophique, mais pas une leçon de morale pratique. Marx lui-même considère que l'homme est un facteur subjectif, il y a un aspect irrationnel. Non, c'est trop dire, enfin, vous allez trop loin de votre expression. Je cherche simplement dans le fouillis, la diversité, le chaos des activités humaines, s'il existe des petits secteurs, des petits domaines ou des petites perspectives où on peut introduire un peu plus de rigueur qu'on ne le faisait jusqu'à présent. Alors là, on arrive à une question, justement celle de l'observateur. Parce que vous observez, vous constatez, vous notez, vous consignez, mais pensez-vous que l'observateur en anthropologie interfère aussi avec l'objet observé ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'anthropologue n'observe pas véritablement ce qu'il avait observé ? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Il le fait. Et je dirais que c'est une grande consolation pour lui d'apprendre maintenant des physiciens que l'observateur interfère aussi avec ses propres observations. Mais si vous voulez bien considérer les choses de façon concrète et dire que, enfin, depuis deux siècles, les peuples que nous appelons bien à tort les peuples primitifs, mais enfin j'emploie le mot par commodité en le mettant entre une cascade de guillemets, si je puis dire, eh bien, sont soumis à des influences qui les troublent, les désorganisent, les détruisent, les exterminent, à côté desquelles l'influence de l'ethnologue est vraiment insignifiante. Mais les résultats qu'il peut avoir observés peuvent être biaisés par l'instant. Par exemple, on connaît le plaisir de la fabulation chez les populations dites primitives, justement. Le plaisir d'affabuler, de conter. Pas plus que chez nous. Mais à quel moment est-ce que l'ethnologue peut être piégé ? Comment est-ce que vous arrivez à retirer les invariants, les choses certaines de tout ce fatras ? Comment est-ce que vous procédiez ? Comment est-ce que vous pensez qu'il faut procéder ? Eh bien, je dis qu'on procède dans certains domaines où précisément, enfin, disons, il y a deux catégories de domaines. Un domaine, c'est un où la fabulation est en dehors de la portée ou du désir ou de l'intérêt des gens. Après tout, quand on s'occupe de la façon dont est construit leur système de parenté et comment ils appellent le frère de la mère, de la tante, du cousin, etc., et autre chose de ce genre, eh bien, ils ne cherchent pas particulièrement à fabuler. Puis il y a l'autre domaine, qui est le domaine de la fabulation propre, c'est-à-dire la mythologie. Et alors là, il ne s'agit pas de croire aux mythes, il s'agit de comprendre comment ils sont faits. Comment est-ce que vous arrivez à mettre au jour les éléments de ces rêves, de ces mythologies qui se créent à chaque cérémonie, quelquefois elles se renouvellent? Comment est-ce que vous arrivez à le rationaliser, puisque c'est irrationnel au départ?
Ça peut changer la semaine suivante, selon le rêve du chaman ou de l'aborigène. Moi, je crois que c'est vous qui êtes en train de fabriquer toute une mythologie. Les choses ne se passent pas du tout comme ça. Et... Pourtant, il y a des anthropologues qui pratiquent l'immersion totale et qui découvrent justement ce phénomène. Oui, en général, ils font de la très mauvaise anthropologie. Donc vous pensez que les gens qui pratiquent l'immersion totale en anthropologie ne sont pas... Je pense qu'il faut choisir. On est dedans ou on est dehors. Pensez-vous qu'il faille observer ou avant tout partager pour comprendre? Parce qu'il y a quand même une notion du partage pour comprendre. Comprendre l'autre, c'est partager avec lui aussi, non? C'est avoir suffisamment étudié tout ce qu'il est possible d'étudier du dehors, qu'il est possible jusqu'à un certain point de faire comme si on était dedans, mais sans jamais y être. Comme si. Il y a une forme de dédoublement. Le problème que vous posez, là, c'est un énorme problème et en même temps un problème assez vain, qui est le problème de la traduction. Parce qu'après tout, vous pouvez également le poser en présence d'un Français qui essaye de comprendre Shakespeare. Alors là, on en vient justement à l'outil, parce que pour arriver à travailler du dedans et du dehors et composer ce comme si, vous avez l'analyse structurale qui vous permet quand même de poser un certain nombre d'éléments objectifs. Considérez-vous l'analyse structurale comme un outil ou une philosophie en finalité? Certainement comme un outil, certainement pas comme une philosophie. Pourtant, vous avez souvent été considéré comme le philosophe, entre guillemets, de l'anthropologie structurelle et du structuralisme. Le structuralisme a été mis à toutes les sauces pendant une époque. Écoutez, la seule chose qui m'intéresse, ce sont les résultats ethnologiques auxquels j'espère être parvenu. Est-ce qu'on comprend un peu mieux les systèmes de parenté et les règles de mariage qu'avant que je ne me mette à les étudier? Est-ce qu'on comprend un peu mieux comment les mythes sont bâtis, comment ils s'engendrent les uns les autres, qu'on ne le faisait auparavant. Bon, que dans ce travail, j'ai été amené de temps à autre à construire, disons, des échafaudages pour essayer de rendre ma pensée cohérente à mes propres yeux, à mon propre esprit, oui. J'ai bâti des échafaudages philosophiques, mais pour être démoli sitôt le vrai travail terminé. Qu'est-ce que vous cherchez à faire en fait, lorsque vous parlez d'adversaire? Vous cherchez à le réduire à ce que votre prisme de lecture soit supérieur au prisme de lecture du primitif? Ce n'est pas supérieur, mais en tout cas l'englobe. C'est ça le principe? Quand vous parlez d'adversaire à réduire, c'est quoi le principe? Et non, je dirais que lui et moi, nous ne lisons pas, nous ne cherchons pas à comprendre exactement les mêmes choses. Celui qui raconte les mythes, ça lui sert pour beaucoup d'usages, et des usages qui peuvent nous être complètement étrangers. Par exemple, il y a des mythologies qui sont entièrement utilisées pour faire valoir des revendications territoriales d'un clan vis-à-vis d'un autre clan. Bah, c'est pas ça dont je m'occupe. Je m'occupe de la façon dont la pensée résonne pour aboutir à ce résultat. Autrement dit, je ne demande pas à une montre de me dire l'heure qu'il est, je lui demande de me dévoiler le mécanisme de ses rouages qui lui permet de dire l'heure. Définissez-vous la transgression comme essentiel à l'évolution des cultures? Bon, écoutez, ce genre de questions m'intéresse absolument. Vous ne travaillez plus sur ce genre de questions. Mais... Vous citez souvent l'Occident comme référent culturel. L'Occident. En 93, vous le citiez assez souvent encore. Aujourd'hui, vous l'utiliseriez encore, ce terme, Occident, par rapport aux civilisations dites primitives. Bien sûr, moi je suis le produit d'une culture qui est la culture occidentale. Et je tiens qu'elle vaut tout autant que celle des gens que nous allons étudier à l'autre bout de la Terre. Qu'est-ce que vous entendez par culture occidentale, sérieusement?
Vraiment, c'est un terme qui avait son sens au moment du mur de Berlin, de l'Est et de l'Ouest, mais aujourd'hui occidental. Non, 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 parce que la culture occidentale existe aussi en Russie. C'est ça. Oui. Oui. La culture occidentale existe aussi en Russie, Oui. aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc on a un glissement qui fait que le glissement sémantique rend les. Mais non, il n'y a pas un glissement sémantique, c'était vrai avant, c'était vrai après. Mais ce qui définit la culture occidentale, ce n'est pas la philosophie d'un régime totalitaire contre un régime démocratique, non. C'est des rapports de causalité. Non, c'est une certaine façon de regarder le monde, une certaine foi dans la pensée scientifique. Donc rapport de causalité, la raison. Oui. C'est la raison en fait qui nous. Si vous voulez. Dans cette tentative un peu globalisante, l'anthropologie structurale a mis en évidence des invariants, des régularités, des grands mythes fondateurs. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que c'était quelque part le chemin vers un nouvel universalisme, une nouvelle manière de dire les hommes partagent aussi ces mythes, ces choses? Non, vous n'avez jamais eu cette sensation qu'au fur et à mesure que vous avanciez dans vos recherches, vous mettiez au jour des invariants, des. Mais écoutez, j'écris tout un livre qui s'appelle La pensée sauvage pour montrer justement que des formes de pensée différentes en apparence le sont beaucoup moins qu'on ne croit. Et qu'en effet, il existe des invariants qui permettent de définir une pensée humaine à l'échelle universelle, si vous voulez. Seulement, c'est une pensée qui consiste essentiellement en règles de fonctionnement, qui peut avoir des contenus totalement différents. Ce sont les règles qui ne changent pas. Les contenus peuvent varier. Oui. Mais lorsque vous dites que toute création implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même à leur négation, ça veut dire que ce contenu doit s'affirmer. C'est ça que vous dites en fait. Bien, si on croit vraiment et ardemment au contenu de sa propre culture, ben il est tout à fait normal qu'on n'ait pas de goût de sympathie pour des contenus d'autres cultures qui sont radicalement différents. Mais vous qui avez travaillé au Brésil assez longtemps, qui est quand même le pays de la réussite du métissage, on a l'impression que c'est un peu antinomique. Mais je vois absolument pas le rapport. Le métissage, c'est une question biologique, physiologique. C'est Ah pas. non, je parle de métissage culturel. Ouais. Je parle de métissage culturel. Le Brésil est un métissage culturel, manifeste. Écoutez, c'est une façon bien simple de dire les choses. C'est un métissage certainement de blancs, d'indiens et de noirs, mais qui a élaboré à partir de ça une culture propre. Culture brésilienne qui existe Oui. par elle-même. Mais, culture, bon, mais alors, ce n'est pas la race, mais la culture qui fait l'identité, dites-vous. Oui. Mais le mot, l'idée même de race, c'est culturel. Vous vouliez parler de gène plutôt, parce qu'aujourd'hui, la pensée a évolué, le mot race n'a plus de sens. Oui, mais écoutez, si nous nous lançons dans ces choses-là, nous n'en sortirions pas. Nous n'en sortirons pas. Quelles sont les recherches qui vous fascinent un peu encore en ce moment? Il y a des choses qui vous titille, qui vous intéresse, qui vous. Vous aimeriez avoir les résultats. Tout continue à m'intéresser, mais de façon beaucoup moins productive, si vous voulez. Mais en particulier, quelque chose en ce moment qui vous pose mystère, qui vous interroge en voyant l'évolution du monde, parce que quand même on est dans un monde en crise, vous Non, avez. non, ce Non. sont des problèmes qui m'ont jamais beaucoup préoccupé. Vous restez dans votre domaine. Et vous ne voulez pas l'élargir au-delà de vos compétences, c'est ça? Si je l'élargis dans beaucoup de directions, je m'intéresse à l'art, je m'intéresse au progrès de la recherche scientifique dans d'autres domaines que le mien. Je m'intéresse pas beaucoup au destin du monde parce que d'une part à mon âge je ne le connaîtrai pas et d'autre part parce que je crois
qu'il est totalement vain de faire des spéculations sur l'avenir. Avant la dernière question, on vous a quelquefois sacré prophète de la mort du sujet. Et aujourd'hui, lorsque l'individu se résume à l'état de consommateur acculturé dans une mondialisation galopante, vous parliez de vos populations boros déjà martyrisées, vous n'avez pas l'impression que c'est déjà chose faite, que cette rouleau compresseur supprime le sujet? Mais écoutez, ce sont des questions que vous posez sur des problèmes de sciences humaines qui ne viendraient pas à l'esprit de scientifiques vrais, je veux dire des biologistes ou des physiciens, de poser dans leur propre discipline. Prenez un microscope, mettez une goutte d'eau et regardez-la avec des grossissements différents. Avec un grossissement très faible, vous verrez des animalcules qui mangent, qui font l'amour, qui meurent, etc. C'est plein de sujets. Mettez un grossissement un peu plus fort, vous ne verrez plus les animalcules, vous ne verrez plus que les molécules dont leur corps se compose. Et avec un grossissement un peu plus fort, à la limite, vous ne verrez plus les molécules, vous verrez les atomes. Bon, alors que les gens qui s'intéressent au problème du sujet étudient le sujet, moi c'est très bien, je trouve ça parfait. Mais ce n'est pas avec ce grossissement que je travaille. Moi, je travaille avec celui où on ne voit plus le sujet. Dernière question. Auriez-vous un conseil à donner aux jeunes anthropologues? Un conseil simple. J'essaierai de ne pas leur en donner parce que je serais trop pessimiste et je n'aimerais pas les décourager. Je pense que l'anthropologie, telle que je la conçois au moins, a été une discipline historique. Elle se situe à un moment de l'histoire pour résoudre certains problèmes posés par l'histoire. Je pense que ces problèmes se posent de moins en moins et qu'ils ne se poseront plus du tout, ou qu'ils se poseront de façon tellement différente que ce ne sera plus la vieille anthropologie que j'ai connue ou pratiquée, ce sera une discipline totalement autre. Pas trop long. Non. Bien, on ne peut pas faire le tour de votre œuvre en une heure. Hein. Mais non. Juste un état d'humeur. Non. Parfait. Merci, monsieur Lustros. C'est pour la bibliothèque de la Sorbonne. Oui. C'est pour les linguistes de la Sorbonne. Un petit parasse.